Bonjour à toutes et à tous, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de solotage avec mon monstre préféré, le coriandre. Voilà, donc on est parti. Alors bah je vais jouer en strigite comme j'ai joué pour... Oula, il fait n'importe quoi ce débilos. Je vais jouer en strigite comme... qu'est-ce qu'il fait? Comme les autres combats d'avant du donjon, ça s'est vraiment déroulé sans accroche. J'ai dû perdre au maximum 800 points de vie sur les combats, mais en même temps c'est plutôt facile. Alors, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il peut pas m'avoir. 4, 5, 6, il peut pas m'avoir. Je suis très bien ici. Hein. J'ai l'impression que je suis plutôt bien placé. Alors, le coriandre, c'est un boss de Frigost 2, donc. C'est le premier boss de Frigost 2. Il s'avère qu'autrefois, je le farmais beaucoup, j'aimais beaucoup ce donjon. Mais c'était au premier nerf, c'était vraiment... vraiment horrible. En fait, à chaque début de tour, vous posez une case au sol. Et cette case au sol, en fait, va tout simplement... Alors, attendez que je réfléchisse. Ça fait 1, 2, 3. Là, j'aurai la PO, normalement. Ça fait 1, 2, 1. Et là, du coup, je remonte. Du coup, non, je réfléchissais à mon tour. Je ne sais plus quoi dire. C'est parfait. Donc là, je vais me faire pousser. Voilà. Donc, alors, est-ce que j'aurai la ligne de vue? S'il vient m'embêter ici... Un, deux, trois, ok, parfait. Excusez-moi, je réfléchis un petit peu à mes actions. Plutôt faire ça. Laisse faire ça. Donc, je disais, le coriandre est un monstre de Frigost 2 qui a été vraiment beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui, mais qui est quand même assez intéressant, du moins parce que c'est un boss qui est plutôt marrant. Il est drôle, il est assez rigolo. Bon, clairement, on peut le dire, il est plutôt drôle. Moi, j'aime bien. Tac. Alors. Tac. On va faire ça. Et on va se mettre. Vu que je vais récupérer mes PM. Non, pas du tout. On va se mettre ici et je me ferai pousser d'une case. Comme ça, lui, il a ses 3 PM. Il viendra pas plus m'embêter. Et un deuxième. Donc, bah, le Cori. Qui est une grosse araignée. Qui pousse, qui tape assez fort. Quand il met son poison, c'est sympa. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Cori, vous pouvez le gérer assez bien avec la mérulette. C'est-à-dire que dès que vous frappez la mérulette, il y a un rollback. Et du coup, bah, le rollback aide grandement. Clairement, c'est ça qui aide à faire le combat. Il tape plutôt fort. Alors, est-ce qu'on peut taper ouais, directement maintenant? Ça, c'est intéressant. 4 PM. Donc, on va faire ça. Ça. J'aurais pas la PO. Là oui. Et on va se mettre ici. Tout en restant dans le combat, on va essayer de tuer le coriandre rapidement. D'autre côté, je me suis pas trop protégé pour l'instant. Mais j'en ai pas vu non plus le grand intérêt. Je vais même me mettre une mise en garde pour taper ce que j'aurais peut-être dû faire avant. Et on va taper. Double flammy, je pense que ça rox. On est... ouais. On est dans la flamiche. 1, 2, 3, 4. Si je m'avance d'une, il n'y a pas de souci, il ne peut pas m'avoir. Toujours avoir la téléportation si jamais vous voulez. Là, ils vont juste me gêner. Mais ça devrait aller. Si je mets un retrait PM sur lui, 4. 60 esquives, ça risque d'être compliqué. Il finira pas une caotte. Du coup, tac, pardon. Hop là. Tac, et on va taper un petit peu en restant à distance. 1, 2, 3, 4. On va juste décaler d'une. Ça, je pourrais me remettre ici. Sporakno qui ne tuera pas l'araignée. Ouh, le Cori qui s'en va. Le Cori qui s'en va. D'accord. Pourquoi pas, hein. Mais bon, ça m'embête un peu parce que ça me fait des cases supplémentaires. Il a tapé à 273. Hop là. Ah, la murelette qui s'en va.
vers moi plutôt. Je pense qu'on va même revenir. Hop là. Voilà. On va pouvoir taper le Cory comme on le souhaite. Donc là. Tac. Lui, il va forcément venir ici. Est-ce que j'aurai la PO? Non, je ne l'aurai pas. Bon, on va juste se protéger un coup alors. Parce qu'il y aura lui qui va me pousser vers le haut. Lui qui pourra pas. Du coup, il commence à avoir plein de petits sporacnes dégueulasses. J'aime beaucoup ce monstre. Il fait vraiment marrer. Il est vraiment énorme. Hein. Oh là, il tue la Kawotte. On sait jamais. Ça pourrait être vraiment intéressant de tuer une Kawotte dans un combat comme ceci. Tac. Bon, écoutez, on va juste taper, se décaler. C'était 1, 2, 3, 4. On reste ici. Et pas de problème. Et la Dramanite qui m'embête pas vraiment non plus, hein, qui reste dans son combat. Tac. Du coup, c'est bon. Le coriandre est mort. Et qui a tué en dernier? Le fongeur. Ça veut dire que je vais faire le succès sans problème. On va repartir à zéro sur la case de départ. Et on va s'avancer doucement vers ici. Là, il pourra pas venir dans les deux côtés. Non, c'est bon. Alors, du coup, je vais lui faire un bon coup de cac. On va faire une maîtrise. Il me restera 4. Je vais faire un bon gros coup de cac. Pas de CC, c'est vraiment dommage. Il a eu combien de PM? 4, du coup. Non, ça c'est trop dangereux. Je suis idiot. Bah écoutez, une flamiche, ça suffira. Même si je l'ai d'ici. Non, je l'ai pas. Bon, ben, on va juste se décaler une case à droite. Si jamais on a besoin de revenir. Maintenant, c'est en douceur. Hein. Pas de pression. Regardez, on va faire un truc tout con. On va faire taper la Dramanite un petit peu. Même, on va taper encore la Dramanite. Les deux à l'aveuglement, ce qui me restera un PM et une petite case pour moi. C'est parfait. Je propose qu'on continue. J'aurai une case pour moi devant, donc on va taper deux coups. Du coup maintenant je peux plus me permettre parce que je n'ai plus aucune case de libre. Tac. Et bien si je peux me le permettre vu que j'utilise uniquement 3 PM en fait. Et je le tue aussi tout simplement. Il faut que je fasse attention à ce que je fais là. Il restera 3, 5. Je préparais un bon coup de cac. Voilà, en restant là. Il tape qu'au corps à corps, la Mérulette, donc c'est très pratique en fait. Voilà. Et un petit coup. Je sais pas si la flamiche est supérieure, oui. Est-ce que on peut l'avoir avec 3? Il me restera 2. Il n'y aura pas de soucis. Tac. Et on peut se mettre. Ici sans problème. Voilà. Tac. Bah du coup écoutez, je pense que dans tous les cas elle est morte. Ça fait 500. Et avec la puissance, la léthargie à combien? 600. Ouh, l'intérieur a crité. Ah c'est bon. Même pas. Même pas besoin de crit. Et on va s'approcher doucement du fongeur tranquillement, qui lui reste dans son coin. Et qui restait dans son coin. Bon voilà, c'était vraiment sans problème, on a fait. On va juste faire gaffe quand même à la fin. Mais ça devrait aller. Je pense que je vais vraiment sortir juste à me coller à lui. Et une fois que je suis collé à lui, il ne fait plus rien. Mais le problème, c'est qu'il faut penser aussi à s'évader. Donc je ne peux pas me coller à lui. Tac. Tac. Ici. Comme ça, il va voilà, vouloir descendre ou monter, mais peu importe. Bon, de toute façon, on peut taper là, il n'y a plus aucun risque. Je ne vais pas mourir. Tac. Je peux aller même lui faire un petit coup. Ouais non, ça servira à rien vu qu'il a des résistances feu il me semble. Ouais, on va lui faire allez, un petit frisson. Allez. Bam. Ouais, ça tape plutôt bien, c'est sympa. Bon ben voilà, solotage réussi, je suis plutôt content. Ça me fait plaisir vraiment. Tac. Tac. Et voilà, le solotage
Du coriandre avec 2000 points de vie me restés. Donc ça, je me suis laissé taper sur la fin par le fongeur. Pas vraiment puissant le fongeur. Donc avec le petit challenge, bon, rien de fou en 8 minutes 58 et 21 tours. Je sais pas, je pense que le diotage doit être en 15 ou un truc comme ça. Enfin, peu importe. C'était plutôt sympa. J'espère que vous, ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à toutes et à tous. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, du solotage, des colis, des tutos rush, de tout. Voilà. À très bientôt tout le monde. Je vous aime. Bye bye.